Yes, it's time. Any Borderlands fans in the house? What? What? Things behind us. Oh! Oh! Je m'oblige, mais... Ah! Hoping, you know, our Subnautica fans will still come along for playing a digital miniatures game. I hope. No! Locklear Industries premier sur les infos. Laissez 20 000 pouces bleus pour ces breaking news et dites-nous en commentaire quel jeu vous hype le plus. Bonne vidéo. C'est parti, mon kiki. On ouvre The Ball avec la Gamescom. Bonjour tout le monde, je suis si fier de vous montrer ma dernière veste faite en sac poubelle. Elle a coûté seulement 23 000 euros. J'arrête. Je vous traduirai que les trucs genre utiles, ok? Nous avons beaucoup de choses réservées pour vous ce soir. Toutes ces licences effectivement qui vont générer un max de pognon. J'arrête. Mesdames et messieurs, on a des world premières. Nous avons pensé à la nouvelle génération de gamers. Non, on n'est pas dans la merde. Ce qu'ils veulent, la nouvelle génération, c'est des skins. Jeux gratuits, jeux mobiles. Pokémon. GTA 7. Anthem 2. Fortnite 2. Everywhere. Je sais pas quoi en penser. C'est dingue parce que j'ai l'impression que maintenant les jeux PC, etc. sont moins beaux que des jeux mobiles maintenant. Trop chiant, quoi. Waouh. La claque. Bon, après, c'est du CGI, les gars. Tout ça pour un jeu mobile. Dune. Je veux du gameplay, moi je m'en fous de ces CGI, les gars. Ok. Open World Survival MMO. Waouh. L'ambition. I'm honored to share this PlayStation announcement. PlayStation 5 Slim. Encore mieux, une PlayStation 4 HD+, parce qu'on a plus de PlayStation 5. Ah, ils ont sorti une nouvelle manette. Enfin, les manettes ont des palettes. Les palettes en dessous, là, au niveau du bout, c'est masterclass. Masterclass. Enfin, littéralement, la manette est sous-développée pour l'être humain. Customized your with us here. Remember, you came all the way over in the middle of the... Du nouveau gameplay exclusif de Callisto Protocol en world première, mesdames et messieurs. Le jeu est joli. Toujours extrêmement proche de ton perso. Oh, wow. Pourquoi tu le jettes pas dans le truc à gauche? Il est quoi? C'est un showcase de quoi? T'es un giga noob? Ok, les esquives ça va pas exister. Hein. Enfin! Eh! T'as vu? Enfin! Il a fait marcher son petit cerveau! La fameuse séquence à la Tomb Raider. Ouh! Là t'es mort, dans la vraie vie t'es mort. En tout cas c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à Elden Ring, hein. Ouh! La zik! C'est un espèce de Elden Ring. Original, la musique est osée, j'aime bien. Ah, Elden Ring 100%. Another new game announcement. C'est quoi ça? Missing your regular... Dincom 2. Tout stream en PLS, c'est comme ça. Il s'appelait pas Dincom 2. Yes, it's time. Est-ce qu'on est excité pour le gros titre de l'année, les gars? Aigri, oui, bien sûr. Eh, j'espère vraiment que ça va être bien, mais conceptuellement, il manque énormément. None of us will be able to avoid dark magic forever. Crucio. You dog. Je vous le dis, les gars, conceptuellement, ils ont tout loupé. 3 jours early access avant tout le monde. Et c'est quand même assez vénère. Ils auraient vraiment dû faire un MMO, quoi. Plus dur à faire, ça met plus de temps, bon. Encore Borderlands, les gars. Wow. C'est chaud. Any Borderlands fans in the house? Ouais. New Tales from the Borderlands. Ouh. Les Telltales. C'est vraiment stylé, c'est des jeux à jouer, en fait. October this year, all platforms. Celui-là, je le ferai. Hein? C'est quoi ça? Oh. What the f***? Destiny? Ils ont une de ces communes, les gars, je vous jure. C'est incroyable ce que Bungie sont capables de faire quand même. Encore en DLC, les mecs sont trop forts. Allez, World Premiere, enfin. World Premiere, pour moi, c'est une annonce. Je vous le dis, il a l'air vraiment bien, mais c'est impossible à streamer. Et après, ils disent que c'est Naruto qui a inventé Naruto Run. To announce another narrative experiences comes from French Studio. Oh! La mer. Oh! 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 Oh!
so many things behind us. Oh! 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 They sing Quantic Dream. Voices. Under the Waves, 2023. Ah! Ready for some goats? Ah, c'est multi, regardez, c'est multi. What the f***? What the f***? On va pas se cacher, c'est un jeu de youtubeur. Je me vois mal jouer hors stream, tu vois ce que je veux dire? Ça a l'air d'être beau de contenu. Epic Games encore les boss, hein, parce que sinon ils seraient pas sur PC. The creators of Subnautica. We are here today to unveil a brand new IP, and it's a turn-based sci-fi game. Science-fiction tour par tour. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Un jeu mobile, putain! Hoping, you know, our Subnautica fans will still come along for playing a digital miniatures game. I hope. Emmerdement, into re-emmerdement, quel plaisir. Inspiré de Pinocchio. Inspiré de Pinocchio, frérot. Ok. Elden Ring a beaucoup inspiré quand même. Hein. Ok. Voyons voir la vidéo, allez. Hello Gamescom, on board of the International Space Station. Sérieux? Même dans l'espace, on fait des hashtags, les gars, rien ne nous arrête. Du coup, on va avoir un jeu dans l'espace, là. C'est quoi, ça? Oh oui, bébé! Du farm! Dis-moi que c'est pour moi, dis-moi que c'est pour moi, dis-moi que c'est un jeu pour moi. Un mois de contenu, je demande pas deux, je demande pas trois, un, pas deux, pas trois, un mois de contenu. Stranded Alien Dawn, let's go, c'est pour moi, c'est sûr! C'est sûr, c'est pour moi. Gameplay, alpha in-game footage. Non, c'est pour moi. Yes. Du farm. Alors, encore du CGI. Tout ça pour montrer un jeu mobile derrière. C'est le jeu de PlayStation sorcière, là. Il peut être pas mal, il peut être pas mal. On peut juger maintenant sur les cinématiques. On s'est fait clébait pendant genre 20 ans de nos vies. Mais c'est mon pote. Oh, peut-être qu'ils disent qu'il y a un coffre. Ok, Thor. Ok, bon, il est là, ok. Ça, les gars, c'est... En fait, dans le délire de partir loin, t'as un délire de partir trop loin. Well, we're actually hitting her. En vrai, ces dialogues sont cool. Les dialogues sont vraiment cool, en vrai. J'ai même envie peut-être d'y jouer, tu vois, donc c'est plutôt positif. World première. The Expanse, a Telltale. Stylé. One of the things I'm super excited. Oh wow. Cool. Cool. We also have to think about how can we evolve the genre. Rappelez que quand même les gens qui ont fait les Telltale ont fait banqueroute, hein. Et après les youtubeurs ont revive la série. À d'y jouer. Cette année les gars et l'année prochaine on fera plein de Telltales les gars, je vous le dis. Stranger Things. Hein? Zombieland. Friday the 13th. What the f... What the f... Multiplayer horror game. Oh, bien. Killer Clowns. Je dis oui. Propre, efficace, rapide. Ouh, Gotham Knights. 4 joueurs co-op qui sort en octobre. Oh. Oh, Monsieur Frost. Alors là, il y a Robin des Bois. Will Smith. 21 octobre, ok, on y est presque. Now it's time to announce a brand new game from a new studio. Nouveau studio, nouveau jeu, open world RPG. On va voir ça. Oh, ça lag un peu, mais ok. Et sinon, non, ça a l'air carré. Hein. Très Assassin's Creed là, attention. Très Assassin's Creed, vous avez vu le... Ouais, t'as vu les contours des cibles. Très Assassin's Creed. Ça a l'air d'être aussi simple qu'un Assassin's Creed, je pense. On n'est pas sur Elden Ring. Ouais, bah écoutez, l'univers samouraï, les épées, les katanas, ça me casse les couilles, frérot. We've got a brand new trailer that is incredible amusement park simulation game. Ouh! Est-ce qu'ils vont réussir à faire mieux que Planet Coaster, frérot? C'est vraiment dur de faire mieux que Planet Coaster, hein, je vous le dis. Vraiment. Oh! 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 Oh!
Oh wow. Yes. Les magasins, les hôtels, ouais 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 bébé. Pour que les pigeons ils achètent et après ils aillent chier dans mes chiottes. Mets-moi des chiottes à 10 balles, s'il te plaît. On dirait que c'est très focus sur l'attraction et pas le... Ah si, quand même un petit peu. Ok, ok, ok. 2023, vas-y ta mère là, oh. Outlast. Coop, 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 let's go. Ça a l'air d'être un saut, hein. Il a l'air vraiment bien. Je pense que j'ai déjà compris le concept. T'es en prison et quand tu meurs, tu contrôles un autre prisonnier. Et vous devez vous échapper de la prison. À mon avis, c'est ça. Très high. Les gens qui ont fait Battlefield sont en train de développer un jeu là. Et ils disent que la destruction va être un rôle majeur dans le jeu. Let's go! S'il te plaît. Laisse-moi voir! Apex! Ouais. Ok, tu peux pas dire déçu, frérot, y'a rien. We got one more game for you tonight. C'est quoi cette bombe atomique? C'est quoi cette bombe atomique? Zombieland. Yes! Yes! Paradise Lost, Paradise Island, je sais pas quoi là. Oh, il a l'air bien, mais c'est CGI tout ça. S'il te plaît, mec, un bon jeu de zombies là. Oh, s'il te plaît. Y'a plus de bon jeu de zombies, sa mère. Oh, le katana. Dead Island 2, c'est bien ça, non? Faire un trailer comme ça, ça coûte très cher. Tu vois du gameplay? Ça me fait plaisir des gens qui portent leur couille là. Les graphismes ont l'air carré là. Ça a l'air carré. Ok, 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 ok. Carré, mais bon, rien. J'ai pas l'impression que là ils ont montré quelque chose d'innovant. Une histoire qui paraît cool. Terminé pour cette Gamescom, mitigé, heureusement qu'il y a eu des bonnes annonces, mais assez mitigé. Je vous le dis, Harry Potter, mon avis cru dessus, c'est que qu'ils ont loupé conceptuellement en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est une trame, que tu vas avancer tout droit et rouler sur le jeu. Surtout le gameplay à la baguette magique qui risque de, genre, tout le temps à faire les sorts. Et ça risque d'être très rébarbatif, tu vois. Les fans de Harry Potter, ils seront vite fait contents parce qu'ils auront un truc enfin, peut-être à la hauteur d'un triple A. Mais ce jeu, je pense que c'est la masterclass de la soirée. C'est Killer Clown, c'est la masterclass de la soirée. Les gars. J'espère que vous avez apprécié cette Gamescom. C'était quoi votre plus